Mais Non, non. ça va bien? C'est ça, j'ai beaucoup aimé l'interprétation. Ah bah oui, bah c'est du slam. Après, deux artistes pourraient chanter. Tu fais quoi dans la vie? Et c'est bien au moins, tu te montres très content de faire ta connaissance. Enchanté. C'est ton prénom, Midi? Ou c'est un surnom? C'est ça, c'est mon prénom. D'accord. Et ça prénom qui vient d'où? C'est la première fois que j'entends. Comme quoi, tu vois, Ah, on apprend toujours quelque chose. en fait, c'est un prénom, c'est compliqué. C'est un petit insecte qui habite en Inde et du coup, mes parents, un Ce qu'il jour, ils ont raconte, trouvé non, cet non, mais insecte et ils m'ont ils ont arrêté. été, puis non, mais c'est beau. Ah, enchanté de te connaître. Tu fais quoi dans la vie? T'es encore à l'école? Tu travailles? On voit que tu as une maturité. Tu m'as l'air bien dans ta peau. Tu fais quoi dans la vie, Midi? Moi, je suis étudiant. Ah, c'est bien. Bah, en tout cas, bon, si tu peux aller le Mets-moi plus sur une loin rampe de possible, lancement, je serai la s'il te première plaît, personne s'il te à plaît. t'encourager. Ça On me... voit que tu m'as l'air d'être calme. Tu voudrais poursuivre tes études dans quel domaine, Midi? Et good luck, hein. Merci. Bah, moi, j'adore le corps humain. Et Ah, donc c'est plutôt la science. la science. Stanford. D'accord, mais il ne faut pas oublier que la santé, c'est le plus important. C'est Il y a ça. une partie qui t'intéresse plus que d'autres, ou de la tête aux pieds, c'est de soigner les gens ou pas? C'est quoi qui t'intéresse? Moi, j'aime beaucoup le corps féminin. Ah oui, bah n'oublie pas, c'est intéressant. Bah Et oui. c'est quoi tes passions, Midi? Moi, j'aime bien l'escalade et le chant. Bah, c'est bien. Bah, l'escalade, c'est bon pour la confiance. Et le chant, c'est important de placer sa voix, quoi. C'est ça. Tu veux chanter une petite chanson? Je sais pas vraiment, je suis un petit peu timide, il y a beaucoup de monde sur le live. Oh, mais c'est pas grave. N'hésite pas, Tente si. ta Si chance, tu veux, gros. comme un petit exercice, si tu veux, je parle au conditionnel. On t'attend. Allez, pour cette première. Je sais pas, j'ai jamais fait devant tout le monde. Mais c'est pas grave. Est-ce que t'as un groupe ou t'as un artiste que t'aimes bien, que t'apprécies, Midi? Midi. Oui, mais je sais pas si tu le connais, ça fait pas très longtemps qu'il est connu, il s'appelle Nazim. Oui, enfin oui, sauf que c'est simplement ce Nazim. Tu sais ce qu'il fait? Il copie sur moi. Il n'a aucune personnalité. Et tout ce qu'il a T'es fait, un connard! malheureusement, il a innové, il a fait copier-coller. Mais Donc arrêtez, tu je veux vois, dire, on va faire je un connais, cinquième épisode! mais le seul problème, c'est qu'il s'est pas innové, ni créé. Tu Mais vois? parce que tu Et sais qu'il est. Parce que moi, je le connais maintenant, ça fait une semaine, parce qu'il a commencé à faire des clips et je suis allé le voir oui? en concert. Hein. Oui, mais je te dis, c'est Nadim, tout ce qu'il fait, il copie sur moi, même sur un artiste. Et tu sais, il y a un endroit où on protège les droits, il a des petits problèmes. Et quand on est artiste, faut innover personnellement. Mais Lui, c'est pas innover. tu sais ce que c'est là, SACEM? Ah oui, c'est pour protéger les droits. Bah oui, bah, Et il a dit qu'il a touché beaucoup d'argent avec les musiques, avec la SACEM. mais non, mais... oh, ça m'étonnerait parce qu'il y a des problèmes. Et j'ai eu quelqu'un qui protège les droits et il a eu Lui que des remets le montreur, problèmes. ce Donc tu bâtard. vois, je pense qu'il t'a baratiné, Midi. Et Midi, et tout ce qu'il a fait, question musique, il a copié sur moi, il m'a piaché. Et ça soit moi ou n'importe quel artiste, personne ne m'a apprécié. Et le Ça seul veut dire problème, ouais, attends, voilà, c'est exactement. attends, le seul problème, c'est qu'il ne s'est pas innové. Tu sais ce qu'il fait maintenant? Maintenant, il se lance dans les kebabs. À cause de qui? Parce que c'est ce que j'ai conseillé. Donc toi, je te renseigne, Midi. Ah, je vois. Hein. Ça veut dire qu'en fait, il vit de sa lumière grâce à toi? Et oui, exactement, parce qu'il est fan. Et le seul problème, qu'il soit fan, c'est une chose. Mais quand on a un artiste, on fait les choses qu'on ressent, on ne copie pas sur un artiste. Et il a copié sur moi et sur un autre artiste. Et c'est ça où ça pose problème. Il ne s'est pas innové ni créé. Mais Donc, pourtant, résultat. genre, il a fait une interview parce qu'il est passé à la télé sur France 5 il y a 2 jours et il a dit que Ah toute bon? son inspiration, ça venait de lui-même et de son Ah histoire. bah non, 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 non. Et tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a piagé, il a baratiné. Il Tout parle ce devant qu'il m'a moi. piagé, il m'a baratiné. Et tout ce qu'il fait, il s'est pas innové créé. Donc non. Et en plus, il s'est trompé parce qu'il a pris un verre d'une méchante chanson. Comme il sait pas la dire, il s'est planté. Il a vraiment Ah mince. baratiné. Parce Donc tu que... Ah oui, bah je vois. vois. Ah bah je peux te dire, En fait, c'est toi qui hein. aurais dû faire. Je peux te dire, Midi, j'ai rien contre toi, mais il a raconté n'importe quoi, c'est des salades. Bah. Et ça. Et tu sais ce que je lui ai même dit? Que s'il prenait les verres de quelqu'un, il fallait qu'il demande les droits d'auteur. Il aura des procès. Il me remercie. Il a fait que me piéger et me copier. Donc il t'a baratiné. Hein. Il a complètement Ah mais baratiné. moi Hein. je le connais pas personnellement, je l'ai vu à la Non, télé, c'est mais moi, tout. je peux te dire. Moi, j'ai eu des problèmes. Et il y a une semaine, il y a quelqu'un qui protège les droits. Il y a des gens qui se protègent. Et bien, il a eu que des problèmes. Donc, entre ce qu'il a dit et la réalité, c'est deux choses. Tu vois, bon, en tous les cas, j'ai envie de parler de toi parce que Midi, je veux pas faire un Midi chaud. Il y a d'autres personnes comme toi qui en valent la peine. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien.
En tout cas, Midi, moi, je te souhaite bonne chance parce que tu m'as l'air d'être un jeune homme sympathique et je t'encourage. Toi, si je donne l'air, c'est pour que les gens parlent comme ça et tu reviendras quand tu veux. Ah, j'irai plus à ses concerts et si tu... parce que je ne savais pas qu'il plagia et j'irai à tes concerts. Il a fait si ça, tu... hein. Est-ce que tu fais des concerts, des salles? Ah bah oui, j'en fais des concerts. J'en ai fait face à un public dans les applications. Ma carrière, elle est lancée depuis un certain temps. Je ne suis pas un débutant. Mais comme le premier, le Covid... Faut s'en méfier quand même. Moi, j'en ai fait. Mais moi, tu vois la différence, Mehdi. Moi, quand je fais des chansons, eh ben, j'ai l'imagination de la créativité. Je copie pas. Alors, quand les gens qui disent que je copie, ben non. Et c'est ce que j'ai dit à Nazim. Si tu prends des vers, tu demandes l'autorisation. Et il a eu que des problèmes. Et ouais. Et c'est tout ce qu'il avait Bah... été capable de faire, me plagia et me copier. Il a un manque d'inspiration. Et bon, après, il est passé par des moments difficiles. Mais il confond être fan et copier sur quelqu'un. Il ne s'est pas innové. Tu m'entends? Je t'entends très bien, Emmanuel. Ce que je vais faire, je vais te laisser faire des chansons. D'accord? Moi, En tout cas, je te dis à je vais très bientôt essayer. et je t'encourage. Tu reviens quand tu veux, d'accord? Mais Je tu vais reviens quand tu essayer veux, d'accord? d'écrire une musique. Je vais essayer d'écrire une musique et je la chanterai pour toi en live. D'accord, mais tu crées une chanson de ton cœur avec tes mots, tes expressions. Et ça va te faire le plus grand bien, ça libère. Mais tu parles en fonction. Et Midi, tu parles en fonction de ton vécu avec tes mots. Je vais tout D'accord? faire de moi-même, de mon inspiration. Alors, comme on dit, on n'est jamais servi par soi-même. Je t'encourage. Merci Et je Emmanuel. comme ça, comme dans les concerts. Salut, Merci. Midi. Au Bisous. revoir. Bisous. Et je suis très content de t'avoir rencontré. Moi aussi Emmanuel, au revoir. À bientôt et bonne chance. Salut. Ah, je... Bon. Alors, j'ai rencontré Midi, quelqu'un, un jeune homme fort sympathique. Nazim Cosmos. Cosmos, c'est moi, c'est Nazim Boulboul. Il copie sur moi. Il ne s'est pas innové. Alors arrêtez de dire que c'est Cosmos. Cosmos, c'est admis sur nous. Il se fout du monde. Il a fait copier-coller, innover. C'est dramatique. Alors, il y a quelqu'un qui me pose une question. N'a pas peur de Midi? Ben non, pourquoi j'aurais peur? Et non, je n'ai pas peur de Midi. Au revoir. Vous êtes dans le droit à la parole. Un très bon entretien. Il est exactement minuit 22. Je suis Emmanuel Ploquin, le petit Manu Cosmos. Et ça n'a jamais été Nazim Boulboul. Lui, il s'appelle Boulboul. Moi, c'est Cosmos. Alors, qu'on ne confond pas. On va voir qui c'est qui va monter. Je donne la parole. Oh là là, il y a beaucoup de gens qui veulent monter. Et je vais donner la parole à Frédéric. Il y a des nouvelles personnes. Frédéric, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Attends, je vois. Est-ce que tu m'entends, Frédéric, dans mon 65e rendez-vous? Bonjour, Frédéric. Bonsoir, comment tu vas? Nazim, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. J'ai beaucoup de choses à t'annoncer, mais une bonne, très très bonne nouvelle. Bah, je t'écoute. Je t'ai écouté et j'ai suivi ma propre voix et j'arrête dorénavant la musique, comme tu le sais. J'ai ouvert des Oui, parce que kebabs. je crois que tu as des petits problèmes Oui, et des petits ça te ruine problèmes, ouais. tout ça. Malheureusement, j'arrête, je dois rembourser la SACEM Tout à de fait, l'ordre parce de qu'on ouais, m'a tenu au 10 000 euros parce que courant. On pour m'a tenu les au bêtises que courant. j'ai faites, ouais. Bah oui, parce qu'il y a des lois et Paris, tu vas Ouais. payer une amende. Et maintenant, regarde Nazim, moi, ce que je voudrais. Moi, t'es pas méchant parce que je sais, tu vois, il y a même des gens qui m'ont dit porter plainte. Je veux pas le faire parce que je sais que t'es passé par des moments difficiles. Mais faut que Ouais. tu, et comme je disais à l'instant, il y a deux choses. Faut que tu fasses des choses avec tes mots. Tu confonds être fan et copier. Oui, Et tu le m'as jeu, ouvert je dis les yeux une chose. et je te remercie de m'avoir Mais lancé c'est dans cette normal. nouvelle voie. Et Donc, Nazim, je oui. dis une chose. Ouais. Même si t'es passé par des moments difficiles, Oui, je j'en le suis sais en plus. convaincu. Écoute-moi. Deux choses que je voudrais te dire. Le jour où tu serais à texte, où tu feras quelque chose de toi-même, tu seras fier. D'autre part, Nazim, j'ai dit une autre chose. Là, je travaille beaucoup sur ta chanson. Donc, Ah, prochainement. merci. Je voulais Ah, venir ben aux non, nouvelles, justement. mais Et là, ça se passe bien, alors? Nazim, quand je dis quelque chose, je le fais. Je t'ai dit, j'écris une chanson, j'ai une équipe, on Merci travaille beaucoup. beaucoup. Merci. Mais non, c'est Ça me normal. touche. Ça Moi, j'ai me envie touche d'apporter. énormément. Ça me touche. Ben oui, moi, j'ai envie d'apporter du bonheur aux gens. Je sais que tu es passé par des moments difficiles. Et ce qui ferait. Tu sais, je te dis une chose, Nazim. Je suis sûr d'une chose. Quand tu feras quelque chose de toi-même avec tes mots, tes expressions, tu seras fier. Et là, tu vas étonner le monde. Tu ne vas pas copier sur Merci. moi une personne. D'accord. Parce que Alors, je t'es voulais t'annoncer des nouvelles parce que fou. ça a beaucoup changé, beaucoup évolué de mon côté. Comme je t'ai dit, j'ai avancé dans les kebabs et Tout j'ai à fait. innové. Tu m'as demandé d'innover. Ah, bah Et c'est là, bien. j'ai vraiment innové puisque j'ai été retenu. Regarde. Ah bon? Oui, j'ai été retenu. J'ai été contacté par Elon Musk. Je ne sais pas si Ah, tu es je au connais courant. pas. C'est celui C'est qui a quoi une. Elon Musk? C'est quoi cette société? Alors, c'est une société qui a mis en place justement des kebabs lyophilisés qui seront tout à fait comestibles dans l'espace, en fait. Je ne sais pas si tu es au Dans courant. Et l'espace, ça, oui, d'accord? ça a été retenu. Regarde, Alors? regarde-le. Regarde. Donc, il a été Oui. déshydraté. Et Et une question, Nazim. regarde, Nazim, ce j'ai kebab, rencontré. tu l'as appelé comment? Alors, attends, je n'ai pas fini. Alors, regarde. Oui.
Oui, bah, je regarde. Oui, c'est Elon Musk. Et il y a une nouvelle qui est apparue. Donc voilà, on va commencer les entraînements. Et la mission, j'ai été recruté pour une mission de nourrir l'équipage d'Elon Musk sur la station spatiale, oui. C'est incroyable. Ah bon? Et ça, c'est grâce à toi. Ça va, t'as pas trop peur? Ça te fait pas trop peur? Bah, j'ai un peu la pression, mais regarde, ça a été annoncé par l'agence France-Presse. La mission s'appellera Fille du Soleil, l'incroyable histoire d'un artiste devenu astronaute grâce au financement d'une formation avec son CPF. Il n'y a pas que ça. Mais une regarde question, les premiers articles. Nazim, non, Nazim, une question. Oui. Une question. Regarde les articles. Je peux te dire quelque chose? Oui, vas-y. Enlève Fille du Soleil. Parce que Fille du Soleil, c'est une histoire d'amour passionné, aucun rapport avec les planètes. Je l'aurais dit aux journalistes, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Je leur ai dit, il faut renommer absolument. Ah ouais, mais et le problème, c'est que les artistes sont déjà sortis, regarde. Donc là, bah oui, mais c'est ridicule. Fille du Soleil, c'est une histoire d'amour passionné, aucun rapport. Là, tu t'es trompé. Il y a encore une erreur. Regarde, les entraînements ont commencé. Regarde, Manu. Ça, c'est les photos des premiers entraînements. Oui, mais ça, je regarde. Et là, je suis avec Karen, une Américaine, avec qui je m'entends bien et je lui explique un peu ton histoire. Bon, et ils sont au courant que je vais te rendre hommage. Tu racontes du monde, c'est bien. Mais ce qui m'inquiète, Nazim, c'est ce que tu écris. Oui, et là, non, ça va à travers la gorge. C'est bon, j'ai arrêté d'écrire la musique maintenant. Et en fait, oui, mais même ton affiche, j'aimerais bien que tu mettes autre chose de Fille du Soleil. Ouais, c'est tu bon. Pourrais mettre, je vais dans l'espace. Mais oublie Fille du Soleil. T'es encore anachronique. Regarde, ça c'est les premières photos qu'on a prises avant les entraînements. Comment tu me trouves? Ah bah mais quand je vois Fille du Soleil, t'aurais pu mettre autre chose. Hein. Oui, non, mais ça va être changé, ça va être changé. Regarde, Nazim, t'aurais pu mettre Le Ciel est bleu, ça aurait été aussi bien. Bah, on va changer, d'accord. Bah, en tout cas, je prends note, je vais écrire ça dans mon clavier, je vais leur dire ça aux journalistes. Alors, j'ai une demande, parce que c'est grâce à toi que ça a été possible. Bah oui, si je peux dire, est-ce que tu accepterais cette mission de pouvoir chanter sur la Lune, par exemple? Est-ce que ça te dirait? J'ai une place, un ticket pour l'espace. Alors, je vais te dire, Nazim, moi, je suis pas Patrick Baudry, je suis pas Thomas Pascal, j'ai jamais été sur la Lune. Je suis pas comme Nicolas Sarkis qui a demandé, à la Lune. Comme c'est Manu Cosmos, du coup, la Fille du Soleil, ça aurait du sens dans l'espace. Qu'est-ce que t'en penses? Nazim, comme je n'ai jamais été, je suis comme toi, je peux pas dire quelque chose que je n'ai pas vécu. En revanche, Patrick Baudry, Thomas Pascal, ils ont la chance. Je sais que Nicolas Sarkis a fait une très belle chanson, j'ai demandé à la Lune. Voilà, moi je n'ai jamais été, je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire quelque chose que je n'ai pas vécu. Tu m'entends? Alors il y a eu un article, et j'ai été interviewé au fait. Alors ils ont fait une allusion à toi pour te rendre hommage. On décolle plusieurs fois et on ne se crache qu'une fois parce que la mission, il s'agit d'une mission qui aura pour but de se poser sur le soleil. D'accord. Ouais, mais tu sais, faudrait demander plutôt à Patrick Baudry ou Thomas Pascal, hein, Nazim. Ils pourront te répondre. Moi, je ne connais pas. Lors des entraînements, justement, j'ai pu croiser Thomas Pesquet, justement. Est-ce qu'il est sympathique? Ouais, il est très sympathique. En plus, t'as fait une erreur. C'est Nazim Boumboul. Toi, c'est Cosmos, c'est moi. Tu vois, t'as fait que des erreurs. Mais c'est les journalistes. Ils ont regardé des articles. Je leur ai dit d'arrêter de mettre Nazim Cosmos. Alors regarde. Ah bah ouais, mais faut corriger. Faut corriger parce que tu déteins sur moi. T'as fait des petites erreurs. Est-ce que tu aurais dû mettre, au lieu de mettre la Fille du Soleil, t'aurais dû mettre Le Ciel est bleu, c'est une très jolie couleur. Alors qu'est-ce que t'en penses de cet article? C'est sorti sur West France, dans les yeux, le problème, une épopée spatiale qui vient des pieds sur Terre. Mais tu fais encore des choses par rapport à moi, t'as des petites erreurs, tu vois. Regarde, Nazim décide de partir désormais à la conquête du Soleil. De restaurateur de l'ISS à commandant de bord, découvrons l'ascension d'une création musicale hors du temps et de la stratosphère. Voilà. Ah non, mais ça, après Nazim, que te rencontrer des gens intéressants, ça va te faire avancer, pourquoi pas. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est ce que tu écris. Tu vois, c'est ce que tu écris. Et c'est tout par rapport à moi. T'as encore copié-collé. Non, je n'ai pas copié. Je leur ai dit, les médias, tu vois ce qui. Regarde, ça c'est à New York, les premières. Regarde à New York. Ils m'ont mis en affiche. Regarde à Times Square, regarde. T'as vu? Oui, je regarde. Oui, mais entre ce que tu leur as dit, je suis comme ça, moi, je crois ce que je vois. Déjà, t'as fait d'erreur, Nazim. T'aurais dû mettre Nazim Boubou, tu vois, Nazim Cosmo. Ouais, non, mais ça va être changé. Ah bah j'aimerais beaucoup, tu vois. Bon, et comment ça s'est passé ta semaine, Nazim? Alors ça a été difficile, comme tu l'as su avec la SACEM. Oui, parce que tu as eu des petits problèmes. Et je te l'avais dit, faut demander. Après, faut téléphoner, ça prend du temps. Moi, je suis sûr d'une chose.
Le jour où tu vas faire quelque chose de toi-même, eh ben, tu vas te renforcer toi-même avec tes mots. On dirait que tu as honte de toi, Nadine. Tu as des défauts et des qualités comme tout le monde, tu vois. Ouais. Non, mais tu as raison. Confiance t'as raison. Tu sais, personne n'est parfait. On a tous des défauts. Jusqu'à présent, j'ai jamais vu quelqu'un de parfait. En tout cas, Nazim, comme je t'ai dit, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ta chanson. Et bientôt, je pourrai la chanter. Tu m'entends? Ah, bah, ça me fait plaisir. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses du projet, alors? Tu le valides ou pas, le projet? Le problème, c'est intéressant, mais il y a des petites fautes parce que c'est pas un journaliste, c'est ce qui écrit. C'est Nazim Bouloul et la fille du soleil. T'aurais dû mettre le ciel est bleu, oui, le bleu. Ok, je vais voir avec eux, je vais voir avec eux pour changer. Ah ouais, regarde les produits que je vais préparer sur place pour l'équipage, regarde. Des kebabs lyophilisés, déshydratés. C'est pour les astronautes, regarde. Tu continues toujours les kebabs? Tu continues toujours les kebabs? Bah oui, regarde, c'est pour ça que j'ai été recruté. C'est pour faire des kebabs dans l'espace, regarde. Mais je sais pas si ça peut ça. Moi, en tous les cas, Nazim, tant que je n'ai pas vécu quelque chose, je ne veux pas me ridiculiser. Tu vois, quand je sais, je sais. Mais faut demander à des gens qui ont été dans l'espace. Moi, je connais pas, donc je préfère m'abstenir. Tu m'entends? Ouais, ouais, non, mais j'espère que tu es quand même content pour moi. Ça va être entraînements ont commencé. Et j'espère vraiment être à la hauteur. Hein, regarde, ça, c'est moi. Bah ouais, faut pas te le faire pendant qu'il est chaud. Et comment tu l'as et comment ils t'ont recruté? T'as reçu un message? Ouais, j'ai reçu un mail d'Elon Musk. Attends, je te montre ça dans 2 secondes. Attends. J'ai reçu un mail, j'y croyais pas, quoi. Regarde. Ça a commencé. Parce qu'un message comme ça, on n'en reçoit pas tous les jours, Nazim. Regarde le mail. NASA. Oui. Bonjour, Nazim. Suite à votre rencontre avec le PDG de SpaceX, Elon Musk, nous avons choisi parmi nos futurs conquérants de l'espace. De plus, votre mission, la fille du soleil, a captivé l'attention de nos scientifiques. Merci de prendre rendez-vous avec Elon Musk en adressant un mail. Donc voilà, donc là, j'ai le contact. Ah, d'accord. Oui, mais encore une fois. D'accord. Bah, je lui, mais il y a 2 erreurs. Toi, t'as dû mettre Nazim Bouloul et la fille du soleil. Ça n'a jamais été ta chanson, ça a toujours été la mienne. Tu vois? Oui, mais à chaque fois, c'est la même chose avec toi. T'as tout le temps un truc à me critiquer alors que t'es même pas heureux. Tu devrais être heureux, Nazim, pour moi. Tu devrais être heureux. On regarde les articles de presse. Oui, mais Nazim, c'est toujours la même chose. Non, je suis content. Mais le seul problème, Nazim, tu sais pas une nouvelle, tu fais copier-coller. Mais ça m'énerve. À chaque fois, c'est tout le temps ça. J'essaie de faire le maximum. Je pensais que t'allais être content pour moi. Je vois ça. Mais le problème, Nazim, je vois ça. Mais tu fais tout à travers moi. Oui, mais le problème, Nazim, il peut t'écœurer. Ce qu'il comprend pas. Bah, déjà, c'est Nazim Bouloul. Ça n'a jamais été Nazim Cosmos. Et la fille du soleil, c'est moi. Le seul problème, ce qu'il comprend pas, je sais pas s'il va dans l'espace, c'est que Nazim, il s'est pas innové. Il s'est pas copié. Alors après, quand on dit que je copie, c'est lui qui copie. Regardez, il a encore tout copié sur moi. Cosmos, on m'appelle comme ça. Et la fille du soleil, c'est mon premier clip. Ça n'a jamais été lui, c'est moi qui l'ai écrit. Et résultat, comme il s'est pas innové, il fait que copier-coller. Et je lui disais une chose simple. Il sera beaucoup plus fort le jour où il emploiera ses expressions de lui-même. Mission sur le soleil, je l'ai dit en plus. Je l'ai dit ou pas là, c'était sur le soleil, non, je l'ai dit. Il a fait n'importe quoi. Parce qu'il il s'est attaqué d'un autre, un autre chanteur connu. Les gens n'ont pas pris. Je suis pas méchant, mais réaliste. Moi, j'ai pas besoin qu'on me copie. J'ai l'imagination de la créativité comme un autre artiste au rond. Et la seule chose qu'il fait, il se fait appeler Nazim Cosmos. C'est moi. Il aurait dû se faire appeler Nazim Bouloul. Et quant à la fille du soleil, c'est lui, il n'a rien fait. C'est moi qui l'ai fait. C'est ma chanson. Et c'est mon premier clip. Donc, résultat, il ne respecte pas mon travail. Ah oui, il copie. Ah, j'ai pas la grosse tête, je suis réaliste. Le bon sens, il faut peut-être un peu en avoir. Donc, s'il y avait une personne qui copie, c'est Nazim. Il veut remonter. Nice, allez, hop. Remonter midi. Là, ça va être, attention, là, ça va être masterclass normalement. Normalement. C'est DC qui se termine l'arc, les gars. Comment vas-tu? Ça va bien? Se termine l'arc, les gars, attendez. Du coup, j'ai vu ton altercation. Je voulais. Bah oui. Moi, tu sais, il est passé à la télé, je peux te montrer, il a fait un reportage hier. Oui, non, je veux pas. Mais toi, je viens d'encore constater, maintenant il se lance dans l'espace, il a fait que des erreurs, et je lui ai simplement dit. Alors déjà, tu vois, Midi, Cosmos, c'est moi, lui, il s'appelle Bouloul. Première erreur. Mets le son. Oui, oui. Mais. Ouais, mais c'est sûr, c'est pas un montage, parce qu'il est très fort dans le montage. Non, je l'ai vu à la télé. D'accord. Oui, mais attends, Midi, je l'ai vu. Mais le problème, attends, revois ton visage, Midi. Regarde. Voilà. Oui. Mais déjà, mais le son, idiot. Midi, je vais te dire quelque chose. Ah, en plus, mais il est copié que sur moi. Il fait tout comme moi. Mais c'est dramatique. Non, je vais dire Midi. Oui. Oui. Remets-toi ton visage. Oui.
Mais parce qu'il a dit, bah, il a dit qu'il voulait te rendre hommage. Pour bah non, non, c'est pas hommage. Tu sais ce qu'il a fait? Midi, il a fait que copier. Moi, j'ai pas besoin. Déjà, on rend pas hommage, je suis encore vivant. Pourquoi me rendre hommage? C'est pas hommage, c'est copier. Il confond. Je te dis, à Midi, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a copié. Il a rien créé du tout. La seule chose qu'il a fait, il se sert de moi. Mais comment c'est pas la même chose. Il va mourir s'il va sur le soleil. Bah déjà, non. Parce que tu sais pourquoi? Déjà, il s'en est pris à mon premier clip, une histoire d'amour passionné. Donc, je vois pas pourquoi il parle d'une histoire d'amour passionné dans l'espace. Toi, il est pas clair. Et d'autre part, la présentation, il a tout fait comme moi. Tout ce qu'il a fait, il a fait. Attends, Midi, regarde-moi. Tout ce qu'il a fait, il a fait ses copies. Il a rien créé du tout. Donc, toi, moi, je fais des chansons, je veux pas qu'on copie sur moi. On a une histoire, un parcours, il s'est pas créé. Donc, tout ce que tu m'as montré, ça confirme ce que je fais. Regarde, écoute ce qu'il dit, regarde. Il dit ça, écoute. Non, je vais pas écouter. Regarde. Bah, bien sûr. Ouais. Et, attends, Midi. Midi. Oui, attends, Midi. Non, je vais pas écouter. À ton avis, la présentation, il l'a pris où? Regarde, mon premier album, il a copié. Donc, tu vois, la seule chose qu'il a fait, copier Piaget. C'est tout ce qu'il sait faire. Est-ce que je peux avoir un album dédicacé de toi? Attends, c'est autre chose. Ah. Tout ce qu'il a fait... Attends, mais Midi, il a fait copier. Un artiste, il ne s'est pas créé. Non, je vais te dire une chose, Midi. Moi, je n'ai pas besoin qu'on copie sur moi. Il n'y a pas de souci. Et même, je me conseille de faire des... d'être dans les kebabs. Bon, il n'a pas le son, fait chier. Il continue à faire ses erreurs. Il a fait copier. Il ne s'est pas innové créé. Donc après, il craque. Mais il a fait que des erreurs. Tu vois, déjà, Cosmos, c'est moi, la présentation, il s'en est pris à mon premier album, il n'a rien fait de nouveau. Donc, la seule chose qu'il a fait, Midi, baratiner. C'est un baratineur. Bah, et en plus, il respecte. C'est pour te rendre hommage, il voulait t'inviter. Non, non, à la alors déjà, non, je ne suis pas hommage, je suis toujours vivant. Non, il confond, c'est pas hommage, il se sert de moi. Bah non, c'est pas hommage. J'ai pas besoin qu'on me... Je suis encore vivant, je peux encore m'exprimer. J'ai pas besoin de lui. Moi qui m'a. Alors, il a dit une très belle phrase dans l'interview. Il a dit, parce qu'il a fait beaucoup d'échecs dans sa vie. Et dans l'interview. Ah oui, c'est vrai. Dans l'interview, il a dit, je vais vous dire une phrase que j'ai inventée. Il a dit, on tombe 7 fois, mais on se relève 8 fois. Mais non, mais ça m'a touché. Alors déjà, il a pas inventé, c'est de mes chansons. Il a copié. Donc, tu vois, la seule chose qu'il a fait, Mehdi, baratiner. Ça, c'est une de mes chansons. Et en plus, c'est un livre. Tu connais Philippe Labreau? De rugby, il a écrit un livre. Donc, il a tout ruiné, les gars. Ça fait 3 semaines qu'on cuisine. Nommé, il a fait que copier. Et je trouve pas, il a tout ruiné. Tu sais ce qu'il a fait? C'est un baratin. Hein. Autour de cette fois, sur la vivante, c'est une de mes chansons. La présentation, il a fait de mon album. Il a rien innové du tout. Parce qu'il a dit, je vais vous inventer une phrase, et il a dit, on tombe cette fois, on se relève vieux. Bah non, c'est une de mes chansons, il a rien inventé, il a encore copié. Putain, mais pourquoi il a remis la pièce? Exactement, Limon Grab, il a remis la pièce. Toi, je te dis, Nazif n'a rien créé du tout, il a fait que copier sur moi. C'est pas professionnel. Parce qu'en plus, j'ai vu, il fait des kebabs. Oui. Et il a dit que le nom du kebab, donc ça sera Cosmos, et la sauce, ça sera la fille du soleil, la sauce. Mais il a rien suivi à l'arc. Bah non, parce que la fille du soleil, c'est mon premier. C'est mon premier. Il a rien suivi à l'arc, en fait. Midi, tout ce qu'il est, comme je t'ai dit, il s'est moqué de toi, il s'est pas écrit, il s'est pas innové, il a fait que me plagiat. Et c'est pour ça qu'il a des problèmes avec la SACEM. Eh ouais. Tu vois? Donc toi, tout ce que. Midi, tout ce que t'as raconté, c'est du baratin. Mais il s'est moqué de toi. C'est un menteur, c'est un connard. Ah oui? Un baratineur. Parce que autour de cette fois, on se l'a vu une fois, c'est ma chanson. La fille du soleil, c'est mon premier clip. C'est un baratineur. Il a rien fait de nouveau. Il a rien inventé du tout. Ce qui aurait été bien, c'est qu'il invente des choses de lui-même. Bah, comment ça se fait qu'il n'a pas fait ça? Tu peux me répondre à cette question? Je sais pas. Ah ouais? Eh ben ouais. Donc toi, tout ce qu'il a fait, ça vient de moi. Et même les kebabs. Tu sais pourquoi il me vend des kebabs? Parce que c'est moi qui lui a conseillé de vendre. Mais il copie. C'est bon, je lui envoie un message. Il dit stop tout. Tu fais comme les biches qui le trollent. Non, il va arrêter. Pour moi, ça ne vaut rien. Tant qu'il copiera sur une personne, sur moi, il confond une chose. D'être fan et copier. J'ai pas besoin qu'on me rende un hommage. Tu vois, je suis assez grand pour m'exprimer. Donc, il a raconté n'importe quoi. C'est bidon. Il a baratiné. Bon, d'accord. Bon, je vais me goder. Bah, je te dis, hein. Donc, c'est ça, un baratineur. Et là, et toi, avant de t'avoir, il a craqué parce que je lui dis la vérité. Il ne s'est pas innové, créé. Il fait tout à travers moi, il confond d'être fan et j'ai pas besoin qu'on me rende un hommage, je suis encore là, je peux même m'exprimer. Surtout qu'il y a quelqu'un qui copie, non, j'ai pas besoin. On n'est jamais servi par soi-même.
D'accord, très bien. Bah écoute, j'écoute ton prochain, ton. Et je peux avoir un album dédicacé ou pas, du coup? Il faudrait qu'on se voie. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que tu chantes une chanson toi-même. Allez, Tu chante maintenant, ça m'as l'air pue. d'avoir un Allez, profil. chante. Et ça te ferait plus grand bien. Mais avec tes beautés Chante, expressions, assume maintenant. d'accord? Comment ça? Tu m'as dit que tu allais chanter une chanson, mais avec tes mots, tes expressions. Prends pas exemple sur Nazim, d'accord? Chanter une chanson? Tu m'as dit que tu voulais chanter, Allez, chante mais maintenant. t'essayais d'écrire une chanson, mais de toi-même, si tu chantais toi-même, avec tes mots, tes Tes mots, expressions, avec tes mots. d'accord? Par contre, parle pas des. D'accord. Avec tes Et mots, bah, no bien fake. sûr que Jérédou, il a fait de copier. Nazim, c'est un Ne le copie pas, sinon il baratineur. va exploser. Et tout ce Ne qu'il le a dit, il a copie pris exemple surtout sur moi. pas. C'est un Nos piégeur. trolls, Il sinon a rien fait de nouveau, il va hein. Moi, j'ai exploser. pas besoin qu'on copie sur moi. C'est tout ce qu'il a fait. Bon, je vais chanter C'est ça. triste, hein. Et je peux chanter a cappella? Ah bah oui, mais quelque chose devant toi, d'accord? Ok. Mais un autre jour, la nuit porte conseil, je préfère que tu travailles, d'accord? Ça se fait pas en 5 minutes, d'accord? D'accord. Mais je te dis, midi, tout ce qu'il a fait, il a baratiné, il a fait tout à partir de moi. Moi, j'ai pas Attends, envie qu'on Manu me copie piège sur là. l'écrivain Ça Philippe sert pas. Labro? Moi, c'est pour aider les gens. Ah, il Et copie il a déjà, manqué Manu? d'inspiration, il a fait, il s'est pas créé ni oui. Donc, la seule chose qu'il a fait, me piégea, et il s'est attaqué à un autre artiste. Il a un manque d'inspiration, d'imagination. Il a baratiné. Bon, je Donc, peux chanter? Ah, tu veux chanter maintenant? Ah oui, je peux, c'est comme tu veux. Bah, si tu veux. Mais je t'explique, Nazim, c'est pas un exemple, hein. D'accord. Il faut se méfier. Bah, je t'écoute. Ok. Au contraire. Ok. Tu vas chanter. Elle s'appelle comment ta chanson? Je sais pas, j'ai pas encore de titre, mais on peut dire Mets une instru Mehdi dans ton téléphone. Ah non, mais Soleil regarde, pardon. d'argent. Pourquoi pas? Je t'écoute. Et en tout cas, content de te connaître. Mais méfie-toi de Nazim et raconte n'importe quoi. Tout ce que tu me Après, c'est un dis, proverbe c'est très chinois. décevant de sa part. D'accord, Au très bien. japonais, je Bon, crois. bah, je commence, ok? Écoute. Je stresse un peu. C'est normal. Respire, prends ton temps. D'accord. Mais je mets une instru? Ah bah oui, quand tu chantes une chanson, il y a des points virgules, respect. Il faut donner un sens. Évidemment, prends ton temps. Est-ce que tu entends la musique là? Oui, j'entends. Ok. D'accord. Ah, il va avoir Allez, la j'y vais, pression je là. me lance. Une fois, je suis tombé à vélo. Je me suis relevé Non, et j'ai recommencé. C'est pas très grave de se faire mal. Tout ce qu'il faut, c'est repartir vers l'avant. Tout ce que je veux, c'est être un oiseau qui vole dans le vent. J'aime pas les menteurs. J'aime pas Boutboul et Nazim Cosmos. Tout ce qu'il dit, c'est faux. On c'est va bien ça. l'envoyer à la fosse. C'est bien ça, ouais. Ok, Nickel. ses textes sont Bien faux. rattrapé. Je comprends pas pourquoi il fait le fou. Il a des cheveux hyper moches, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai tout dans ma sacoche. J'invente des mots et des phrases. Je copie-colle? Non, je ne suis pas Nazim Boutboul. Tout ce que je veux, moi, c'est être une star. Être une star. Parfois, dans la vie, on tombe 7 fois et on se relève 8 fois. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Bravo! Bah yo! Mais pourquoi lui? Bah moi Mais il j'aime y a bien ton plagiat! style. Toi, Et pourquoi regarde, lui? Parce il y a qu'il une est blanc! différence, Speedy. Toi, tu écris des mots qui, avec tes mots. Mais il a fait la même Nazim, il a phrase! copié sur Mais ouvre moi. les Il y a une yeux, petite Manu! différence. Bah je te dis bravo. Mais il a Et tu te copié! sens bien. Oui, ça m'a l'idée, Mais il a ça m'a copié! l'esprit. Mais pourquoi ça tombe sur moi? Eh bah tu vois, je me suis pas trompé. Continue comme ça. Ça fait Qu'est-ce 3 semaines que tu qu'il vas est me sur dire mes la semaine dents! J'ai prochaine? repris une Je phrase, c'est reviens, tout! dans même bien l'interview lundi soir, d'accord? T'aimerais que je rechante plus tard? Ah bah oui, t'as du talent, t'as un autre style, mais avec tes mots, tes expressions, Mais il a pas d'accord? ses mots, c'est Talent les tiens! que Nazim Cosmos? Ah bah, il y a une différence, je vais te dire, Mehdi. Toi, tu chantes avec tes mots. Nazim, boule, c'est moi Cosmos. Il chante avec mes expressions, il a fait que copier. Je préfère quelqu'un Non, mais qui je veux que non, copie, je coupe, non, mais qui je coupe ces copie blagues, pas les gars, sur je vais rendre moi, puis l'antenne. qui crée avec Les ses gars, je mots. vais rendre l'antenne, T'es c'est n'importe quoi. Ça me touche. Tu connais pas le proverbe? Mais il a On est tout chez repris vous, de ça lui à la dépasse quand fin! même. Si, c'est vrai. Eh ben toi, Nazim, il a fait que copier sur moi. La chanson, on Va le te faire fait pas foutre, je suis faire pas une phrase, avare! c'est ma chanson. Et tout ce qu'il a fait, il a pris exemple sur mon album. Il a rien créé de nouveau. Il a rien fait du tout. Donc, je veux dire, ces interviews, c'est bidon. Et moi, je fais des chansons, je veux pas qu'on copie sur moi. Toi, au moins, t'as proposé quelque chose de nouveau. Moi, je te dis comme je le pense, hein. Tu vois? Mais Manu, Ça me comment tu touche, mais pètes? ça me touche, merci beaucoup. Bah non, tu sais, je veux dire, on a besoin de s'exprimer. Mais au moins, tu prends tes mots. Après, je veux te dire, Mehdi, quand tu chantes, c'est après avec ton vécu, ton parcours. Je veux pas t'indiscret parce que après, c'est personnel. Mais de chanter, ça fait du bien. Emploie tes mots, d'accord? D'accord, merci Emmanuel, à la semaine prochaine. Et tu prends des mots avec les tiens, mais pas avec ceux des autres, d'accord? Promis. Je te dis merde. Mais tout ce qu'il a fait, Nazim Boubou, il a fait me piaja. Et il m'a copié, il a rien fait de nouveau.
Et la limite. Pourquoi t'as dit que je suis une merde? Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit, j'ai parlé de Nazim Boulboul, j'ai pas parlé de oui, toi. Ah oui, c'est une merde, oui. J'ai dit que Nazim Boulboul a fait que me copier, me piaja. J'ai pas parlé de merde, je suis pas vulgaire, moi. Parfait. Tu vois? D'accord, Emmanuel, à la semaine prochaine. C'est que faut lui reconnaître, les gars, c'est qu'il est pas vulgaire. Mais dis-toi, t'emploies tes mots, tes expressions à toi, d'accord? Compris, d'accord. Good luck, je te souhaite une bonne soirée et un plaisir de t'avoir rencontré. Un plaisir, monsieur Cosmos, au revoir. Ah, merci, merci. Et ça fait du bien, t'as vu, je me suis pas trop... Voilà, oh putain, on a foulé la catastrophe avec Choupa, il a bien rattrapé le truc. Merci Choupa. Bravo, bien rattrapé. Boulboul a fait que me copier, me piaja, il a copié sur mon album. Quant à la fille du soleil, c'est mon premier clip. Alors pourquoi? Parce que t'avais pas suivi, en fait, Choupa. Mec, une chanson d'amour passionné, je vois, excusez-moi. Parce qu'il y a plein de gens qui le cassent les couilles, justement, à dire copier, machin, il faut pas faire ça. Pourquoi? Bravo Choupa, bien rattrapé.